Oui, c'est des toiles tekusan, que de potsakien, diwan, diwan gien, oui, des milin tozun GSK, de missin tizi ozo, et senyoko amzruin GSK, mohn saulas, ilmen, de nous saliakien, karahaner de podonasakien, tem tent, diwan gierim, yuar nimpahanen, et gadan si GSK, nous sinara, mahdi, serba, erizuznen, izuznen shahen soutan. اسميلا دي جي اس كار يلعب سي 72 على ما 80 وكين رشيد حموتان ميسن تيزي وزو ماينير الزول رشيد الزول رشيد سليم كل بصحاب وغير الى الامريكان وغير الى كندا بارتيكولارمون سكين لا كودس سليم رشيد الغربي ان شاء الله اولاد ثاني سن Donc, sera Mak, Inch'Allah. C'est vrai que le moment ne se présente pas, mais bon, enfin, on aurait aimé un Mlil des souhaits de Nidan, des souhaits de Farah, mais il y a un souhait de l'Azim, effectivement. Rachid, vous voulez la question de ma disserva, de tout le monde qui est là, Rachid Hamoutan de Narmas. Un journaliste, nous allons faire la coupe finale, la CAF et la FEM qui ont fait un événement, trois petits diacres. Dans le cas, sous le cas, en résumé, Rachid Hamoutan de Nouath. Bon, Rachid Hamoutan, bon, il avait pratiqué l'enseignement, j'étais professeur de français. Parallèlement, je faisais du journalisme avant de me consacrer carrément au journalisme. Actuellement, je suis père de trois enfants, deux filles et un garçon, et je suis même grand-père de deux filles et un garçon, donc de ma grande fille. Donc je salue au passage Baya la grande, Ahlam et Mohamed. Donc moi je suis dans le monde du média depuis au lendemain des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. J'ai commencé ma carrière au niveau de l'HADF. Petit l'HADF, hein? L'HADF. À l'époque, c'était un hebdomadaire qui paraissait à Constantine. Puis on est passé en bi-hebdomadaire. On paraissait les mercredis et les dimanches, c'est-à-dire des fois mercredi, des fois dimanche. C'est-à-dire qu'à l'époque, on paraissait en amont et en aval de la journée du championnat. Nord éventuellement d'une compétition donnée. Mais souvent, c'est la journée de championnat qui intervenait à l'époque avant l'aménagement, le nouvel aménagement du repos dominical, même si chez nous, c'est le vendredi-samedi. Donc, la journée du championnat se déroule les jeudis, donc on paraissait. Et les mercredis, on présentait les matchs et en début de semaine pour parler un peu, pour revenir sur le match, le déroulement, etc. Puis, j'ai touché aussi à un journal tunisien, Le Temps. J'ai travaillé un petit moment avec eux. J'ai travaillé aussi dans un journal, parce que moi, j'ai toujours travaillé un peu dans le monde sportif. Après le HADF, je suis parti à Horizon et j'y suis toujours, donc pratiquement depuis 1991 que je suis à Horizon. Et il m'est arrivé d'avoir des collaborations. Dès l'automne, je signais Mohamed Rachid. Et là, bon, j'ai été sollicité par d'autres titres, mais bon, j'ai refusé un peu. Ça me fait beaucoup dans la mesure où Horizon me prend tout mon temps, même si de temps en temps je suis sur un site africain, Africa Foot United. Voilà un petit peu. Salamis Rachid, qui est de l'Islam, Rachid Anramas, qui est de l'Islam, qui est de l'Islam, le HADF. وين يقارنك وكذا تحمل الندال زيك ثم رشيد ونص هذا نوع الغرس
Oh, plus tard en détail la carrière unique n'a d'ouen n'est mais je suis dit, pardon, il dit ça, on a 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 dit ça, on dommage, on l'a raté de peu. Bon, effectivement, on se fait que c'est lui-même, il est de Malish Castillifoun. Il y avait son fils, Fethi, Miss. مي ذي ثقراني يعني ولا عارف سقلي نقصر عقب علي فرجاني خطري علي فرجاني يخرضي مليحة ثقراياكي يتروح الغرص يتولي تقصيرا إنا يدور الله غير يعني فثز مرتينس il avait complètement il commençait à se détériorer sérieusement. Il n'y a que la dernière fois, le dernier déplacement, il y a eu la journée des handicapés à Sétif, et ben, il n'y a que ce n'est pas, puis il ne sortait pas. On m'a dit que je m'en souviens, Ramstra Bacha, il était au CPMC, il s'est entrepère américain, il est cancéreux. Donc il a été atteint d'un cancer qui a fini par Ibouif, Athir Hamrabi. Mahdi Serbah, pour le décrire, ça a été quelqu'un, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. C'était quelqu'un de très franc. D'ailleurs, c'est ce que Niax Kelina, il y a à peu près une heure de ça, que je salue au passage. Il était tellement franc que ça, qu'à la limite, ça lui portait préjudice. Parce que bon, c'était quelqu'un d'impulsif, c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop que la complaisance. C'est quelqu'un qui était sérieux dans tous les domaines. C'était un joueur qui avait une parole d'homme, mais aussi Mirak, il avait en termes de qualité humaine, il était très attachant, même si Mirak notre sincérité, notre franchise, parfois elle nous porte préjudice dans la mesure que les hypocrites en droit de cité, ils se retrouvent un peu, ils ont leur place. Celui qui est franc parfois ça lui nuit. Thagui en tant qu'homme, mais il a été toujours quelqu'un de très très attachant. Il aimait son prochain, mais comme joueur, Mahdi Serbah, il a été un talentueux gardien de but. Et d'ailleurs, le témoignage de tous ses équipiers. Et même, j'ai eu à discuter, ce que Lina a un peu pour le journal, avec Mahid El Khalaf, qui a été à la fois son entraîneur en équipe nationale et à la JITCA, tout comme Ali Fergani, qui était son équipier, son capitaine d'équipe de la JITCA et de l'équipe nationale. Tous les deux ont mis, et puis même les autres, j'ai eu à discuter avec d'autres, avec Mouloud, avec d'autres joueurs avec lesquels il avait travaillé. Tout le monde lui reconnaît une seule chose, c'est que Mahdi Serbah ne triche pas. Au travail, il n'a jamais triché. C'était quelqu'un qui en demandait beaucoup. Il était très, 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 très sérieux dans le travail. C'était quelqu'un c'est grâce à son sérieux. Metswaler Kchini,
les gardiens de l'époque et à son époque. Bon, c'est vrai que en Algérie, nos gardiens, ceux qui avaient excellé très, très beaucoup, c'était les gardiens qui avaient de petite taille. Alors, Giscard, Alibassel, Mahdi Serbah, en équipe nationale, Serbah, Larbi, Drid, c'était pas des grands gabarits. Mais ils compensaient ça par leur souplesse, par leur agilité, par leur ce qu'on appelle ça, par leur dynamisme explosif. Donc, il suffit de revoir un peu tous les matchs de Mahdi, et particulièrement devant les géants qu'on appelait Rubens, qu'on appelait Hoeneß, Rummenigge, le fameux match nul Allemagne. Il a tiré son épingle du jeu avec combien Smith avec combien d'arrêts décisifs qui l'équipe nationale l'Allemagne, battre l'ogre allemand. Et c'est une victoire un peu de tout le collectif. Mais Mahdi, il avait une grosse part dans ce succès. Il y est pour beaucoup dans ce succès. Même à la Gisca, il a été. D'ailleurs, Sklina, vous voyez que le premier titre du RC Kouba, c'était avec Mahdi. C'est-à-dire Sklina Kassi Saïd, il ne cesse de dire à Kouba, il ne cesse de dire moi, je suis venu pour gagner des titres. Et Kassi Saïd, il l'a reconnu lui-même, Mohamed. Hein. Moi, je te parle de Mohamed qui a joué avec lui en équipe nationale. يعني استعرف هناك باللي كان يدير القبه ونسهر ثقافه جيليتيد اور مهدي بوتيد سلاجيسكا باسكو ما هو هيك لاجيسكا سيتي اون ماشين ا تيتر دونك افيك لا مونتاليتي دو غانيون لا مونتاليتي دو فانكور يصوت فانيلا يسكشم la mentalité ni la culture ni de la gagne, ils chimisent même les joueurs de la combat. Donc c'est comme ça, voilà un peu, la preuve c'est que on a mis beaucoup de temps pour trouver son successeur en équipe nationale. Les gardiens de but en équipe nationale, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait l'unanimité. D'ailleurs, c'est Mboulhi qui a battu récemment le record de Serbah en nombre de matchs. Donc, c'est dire que le football national et la JISK, avec laquelle il a joué pratiquement une décennie, plus d'une décennie, ils viennent de perdre, la JISK et le football national viennent de perdre une icône de son football. Donc, Mahdi, il restera Mahdi, très très attachant. Tout récemment, en Irak, c'était quelqu'un de. On s'est revu, après tant d'années, on s'était revu de la dédicace. Bon, ça, je mais c'est ça la vie, ce que les notes. سولا عاصم من ساعة الزغاس خطر المهدي سرباح ماشي سيكلكا يسعى شوية مهدي ستي يسعى تستروزا حملة فرشية يمكن حملة فرشية في الفرون بارلينس أنا عمر رشيد رشيد اسميس يا محمد كني حوسيت بلي هذا يروح Il est parti, juste quelques mois avant, il a écrit toutes ses mémoires dans un livre, il est dédié à Zéouzounaka. Et oui, c'est vrai qu'il a retracé un peu sa carrière, il a retracé un peu sa vie dans les terrains, hors du terrain, dans les vestiaires, hors des vestiaires. Il a un peu
Il a écrit ses mémoires. C'est une bonne chose, nous les avons lus. Il y a certains passages qu'on ne connaissait pas de cette carrière, grâce à lui, on les a retrouvés. Parce que parfois, parce que si tu veux, Mayrouillac, c'est beaucoup plus un journal intime de Mahdi Serbah dans sa vie de footballeur, dans sa vie de dernier rempart. Parce que souvent, un gardien de but, c'est le poste le plus ingrat dans une équipe. La Casa de Blic, lorsqu'il sauve, lorsqu'une équipe gagne 1-0, je fous qu'elle a fait la victoire, je fous qu'on est marqué, mais je soublie que l'équipe trabah, c'est que c'est de faire, les hommes hadith, il a eu une étoffe, Fesserout, qui s'appelle le gardien de but. Et souvent, le gardien de but aussi, Mayrouillac, c'est quelqu'un qui se retrouve seul dans sa détresse. Parce que s'il commet une erreur, on ne lui la pardonne jamais. Alors qu'un attaquant, il peut marquer, il peut rater autant de buts qu'il veut. On se rappelle seulement qu'il a marqué. Et ça suffit au bonheur des uns. Mais un gardien de but, il aurait arrêté une dizaine de buts tout faits. On ne retiendra au final que l'erreur qui a permis à l'équipe adverse de marquer un but. Voilà. C'est souvent un poste ingrat où le joueur, le gardien de but, se retrouve malheureusement seul dans sa détresse. Rachid, sur le plan carrière, quand même, sa carrière est assez riche. Hein, donc, il a fait ses débuts à l'USMA d'Alger de 69 à 72, ensuite 72-80 GSK, et avoir pour deux saisons, il a l'RCK. Avant de venir ici au Canada, il a joué avec le Manic de Montréal, dans la Ligue de football d'ici, d'Amérique du Nord. Et ensuite, après, il y aura la Coupe quelques années avant de rejoindre les pays de golf, où il a passé pratiquement un bon nombre d'années, où il a entraîné les gardiens de but de plusieurs clubs dans le golf, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar. Et en 2013, il y aura Naraka, si j'ai bien résumé la carrière de Serbah. Oui, ça a été une carrière riche, longue, hein. Jalonné de titres, que ce soit en Coupe d'Algérie, en Coupe d'Afrique, en championnat d'Algérie, c'est quelqu'un qui a beaucoup gagné de titres en équipe nationale. Non, Mahdi, il a marqué de son empreinte le football national. Nirak, c'est un peu. S'il a beaucoup travaillé dans les pays du Golfe, il faudrait aussi dire ceci, c'est que c'est dans ces pays-là qu'on reconnaît les compétences. Chez nous, parfois, les compétences, elles ne sont pas reconnues. Parce que, il faut dire qu'il y a beaucoup d'incompétents qui gravitent autour de ce football. Donc, dans les pays du Golfe, ils reconnaissent que c'est la compétence. C'est pour ça qu'il est resté longtemps. Il a fait un bail là-bas. Mais bon, encore une fois, Mahdi, comme tu l'as si bien dit, heureusement qu'il a écrit ses mémoires, qui sont en fait une véritable reconnaissance pour lui-même et pour ceux qui l'ont côtoyé, pour mettre en exergue, pour mettre en valeur toute cette riche carrière. L'expérience, les trophées, les sélections. Donc, c'est quelqu'un qui... Que veux-tu que je te dise de plus,
Mahdi, ouais. Mahdi, ça reste un homme de tous les. Et on n'oubliera pas de Sito. Ouais. Néak, fort heureusement que c'est lui-même, il a corrigé ses mémoires, il a eu le temps de les apprécier, de les corriger, de relever les faits saillants de cette carrière. Voilà. كيهنا تنمرثيك رشيد حموتان فني ذكيا خرد في كيضة في مهدي سرباح ميوغا رقم قران انترفات نجيس كان يخدم مزال توقع 60 مليليين دي ترفات نلزاير كان يلاف دي موريال دارني إلا انتريني بلوزيور فوا دون بلوزيور بي نوار نمقى غارديان بوت انتريني غارديان بوت اي لي بلو كونس كلوب نسن دينا كيكيد نساء تجارة جاكين تورا مفادا نوض كيرا رشيد ترميث رشيد وكان ذا عزيغ الوشوليس والراويس ثمتوثيس سنفك ربي الصبر سنفك ربي سنفك ربي أفوس باش هذا السعد دين المحلة يعني هذا أدخفي في اللسن. Et comme on dit aussi bien en français, j'ose espérer que la terre lui soit légère pour un peu recouvrir son corps, sa dépouille. Et Inch'Allah, Amkanis Virginef, pour avoir permis à tant de jeunes de notre génération, bien après, d'avoir vécu des moments grâce à lui, avec lui, des moments de bonheur, des moments de joie. Aujourd'hui, c'est un peu, nous sommes tristes, mais c'est la vie, il faut l'accepter telle qu'elle. يبض الحديث, يبض الوانيس, يمكن نقارب الاستقبالي, تغلين الكارتينس, يروح, انشاءالله السلام عليكم. ذي جنث والسلام الوشوليس كل سقوس pourquoi pas moi je vais demander peut-être au dirigeant de la JISK de lui organiser à sa mémoire un tournoi pour honorer sa mémoire comme il a honoré les couleurs de la JISK. Voilà, السلام, voilà, ولي وردة فرام كدي أم كدي قاري وحبيب ما نوقم الحمد لله ما نسخسر استغفر الله وإن شاء الله كان أنا ملي ذي سواء ثنيض إن شاء الله سواء فرح إن شاء الله ولا رشيد تلميثة رشيد ما نكوني ستمنى نعطيكو سانك نتكاسع عزينا إذ وشولت المهدي سرباح أكين مثلا ويغساني سي ثلويث دي سونفو دي ثلويث إلي بذا أكيد وسات غارانت ذا وين تكيد خمان كذا غاشي فوالا اون كون اون فوا فغير كان سي تو بيرمي جو بي فيليسيتي لا بيل سور دو ما في كي في او كندا كي فيان داكوشي دا جولي بو دا جولي بوبون سي ان بو سي لا فامي نسات سي تون مزيل اللي سي سعيد مزيل كي تري كونو ان افوكا كي تري تري كونو سي جو ان غران ميليتان un grand nationaliste. Donc, Karas Vachasina Ken Mebrook et à son mari qui est originaire de Delhi, Solar Sori Smith. Mais encore une fois, que du bonheur, Inch'Allah. Prompt rétablissement pour la maman. Inch'Allah, Amarvo Hagin, Adi Mour, Dilaz Imoulanis, Laz Jdoudis, Laz Khwalis, Namoumis. Voilà. كان ميثورا نكوني سي ثمان ناس اللي غير مبروك ومغبو حكي ايدي لولا سيا ان مليل لتدويل النظام انتي كوسان كون دينير قيمات دي ثلويث